Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au lancement officiel de la deuxième édition du lancement de la semaine de la fête de la lecture, et ce dans le cadre de la journée internationale de la francophonie. Les invités tenteront de répondre à des questions que se posent chaque parent, dont notamment comment inculquer le goût de la lecture à son enfant. Sur le plan religieux, comme l'a dit le très haut, Iqra, le mot notamment qui nous dit à tous de lire pour apprendre, lire pour comprendre et lire pour savoir, car le savoir est un devoir. Et nous entamons cette édition par présenter tout d'abord nos invités. Je me tourne vers ma droite, vers vous, monsieur Chehem Mohamed Chehem. Présentez-vous au public qui vous regarde. Je suis inspecteur d'histoire-géographie au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Actuellement, je travaille avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et je me tourne vers ma gauche. Présentez-vous, vous aussi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Mohamed Ahmed Issa, bien sûr, et mon nom d'écriture est Aboïta. Je suis convié aujourd'hui en tant qu'écrivain pour parler de la lecture et de cette journée, de cette semaine qui est la semaine de la fête de la lecture. Toujours dans le cadre de cette semaine de la lecture, je me tourne vers ma droite, vers vous, monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Charmarke Waberi Amare, proviseur du lycée Jama'a Youssouf Mahamoud. Et je viens aujourd'hui participer à cette interview. Et nous avons une enseignante avec nous. Présentez-vous, vous aussi, pour le public qui voudrait en savoir un peu plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je suis Saada Elmi Aden. Je suis enseignante de français au lycée de Djibouti. Et aussi, je suis présidente de l'association des professeurs de français. Et dans le cadre de cette deuxième édition de la semaine dédiée à la lecture, je me tourne vers ma droite pour poser ma première question à monsieur Chehem Mohamed Chehem. Ma première question est pour vous, monsieur. Que pouvez-vous nous dire sur la fête de la lecture, notamment ses objectifs pour l'éducation à Djibouti? Merci, Fardous, pour cette question. Je voudrais d'abord expliquer que la fête de la lecture est sa deuxième édition. La première édition remonte à mars 2021. Cette fête est organisée, comme vous l'avez très bien dit, dans le cadre de la célébration de la francophonie, qui est célébrée tous les ans le 20 mars. Donc, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a initié cette semaine de la fête de la lecture pour justement encourager nos élèves, qu'ils soient de l'école de base, qu'ils soient du collège, du lycée, pour que les jeunes soient vraiment, prennent le goût de la lecture. C'est ça l'objectif principal. Le thème de cette année s'intitule « Lire en famille ». Ça veut-il dire? Parce que comme vous le savez, notre ministre, son Excellence, M. Mustapha Mohamed Mahmoud, l'a très bien souligné, la lecture est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des enseignants. Les enfants doivent lire à la maison. Pour cela, nous encourageons, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle encourage les parents à s'investir dans la lecture chez eux à la maison. Ça, c'est très important. Ensuite, lors de cette deuxième édition, donc nous avons vraiment préparé depuis longtemps, donc cette deuxième édition de la lecture, nous avons invité, bien sûr, les écrivains djiboutiens pour les encourager et pour promouvoir leurs œuvres, mais aussi des écrivains étrangers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ensuite, une fois que cet événement, donc la fête de la lecture, comme son nom l'indique, se déroule, comme nous le savons, à Djibouti-Ville, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur. Les écrivains rencontrent les élèves dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est vraiment, c'est une idée
que vraiment le ministre, son Excellence Monsieur Mustapha Mohamed Mahmoud, a initié, et c'est vraiment quelque chose que vraiment qui est très important pour nous. Et à l'ère du numérique maintenant, ça, je pose cette question pour tout le monde. C'est un problème pour certains enfants, alors les inciter à lire parce qu'ils ont tout sur téléphone, smartphone, sur des tablettes. Et le problème se pose, comment donner à ces enfants l'opportunité de lire parce que certains parents ne savent même pas lire. Justement, parce que les supports de la lecture ont évolué. Donc, comme nos enfants aujourd'hui lisent essentiellement sur des supports digitaux, c'est pour ça que nous initions les élèves à lire sur leurs tablettes. Ça, c'est très important. Les familles aussi peuvent acheter des tablettes s'ils ont les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils peuvent les faire lire à travers les livres traditionnels. Les livres traditionnels, mais aussi les livres digitaux. Ça, c'est très important. Et c'est nous encourageons les enfants à lire sur tablette. Et dans les CDI, ce que nous appelons les CDI, c'est les centres de documentation et d'information, nous incitons, donc le chef d'établissement va en parler, mais à avoir des événements, avoir des abonnements dans les bibliothèques virtuelles. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est, il y a plusieurs facettes pour encourager les enfants à lire, surtout à lire en famille. C'est ça le plus important. Et je me tourne vers vous, M. Mohamed Ahmed Issa, parce que la deuxième question vous concerne. Pourquoi il est important de passer à cette question, et notamment parlant pourquoi il est important d'organiser des rencontres entre écrivains et élèves, notamment pour inculquer le goût de la lecture à ses enfants. Alors, merci pour cette question me concernant. Oui, cette question de la problématique de la primauté du numérique sur les livres papier est une question qui se pose à tous les niveaux. Alors, pour revenir d'abord à cet événement qui est la semaine de la fête de la lecture, pour nous, auteurs, que je suis ici venu ici représenter, ça revêt une importance très capitale parce que en tant qu'écrivain, on se sent mis de côté. Mais quand on a des événements comme ça où on est convié à aller dans des établissements scolaires. Là, j'ai été dans un collège à Amboulie, mais c'était vraiment une vraie fête avec les enfants. Quand ils rencontrent un écrivain, les enfants voient vraiment qui est derrière un livre qui a été écrit. Non seulement ils lisent nos livres, mais ils veulent nous voir aussi pour pouvoir nous copier parce qu'ils sont en quelque sorte en perte de repère quand on leur parle des écrivains étrangers. Donc quand ils voient que c'est un Djiboutien qui a écrit pour des Djiboutiens et en français que les Djiboutiens comprennent, là vraiment c'est une vraie fête. Et j'en remercie le ministère qui a pour la deuxième fois invité pratiquement tous les écrivains djiboutiens et nous a conviés à aller rencontrer nos enfants, c'est-à-dire les enfants djiboutiens, dans les écoles, dans les cadres d'une rencontre autour des livres et de la lecture. Pour revenir à la deuxième question qui est la primauté du numérique sur les livres papier, par exemple, moi je suis auteur de poésie, j'écris des poèmes et la poésie peut facilement se lire à travers un écran de téléphone ou d'ordinateur. C'est vrai qu'il y a des empêchements dus au fait que la batterie se décharge, mais quand même, lire c'est toujours lire. Oui, mais des études ont démontré notamment que le numérique pour un enfant qui s'instruit sur des tablettes et qui est notamment exposé à la télé pour beaucoup plus de temps qu'un enfant qui lit, cet enfant manque de concentration et nous y reviendrons plus tard. Et ma troisième question, je vous la pose à vous, monsieur le proviseur. Je rappelle que vous vous appelez monsieur Charmake Waberiamare. Ma troisième question est que comment s'inscrit cette semaine dans la politique éducative du MENFOB, notamment avec la tournée du ministre qui a lieu hier dans votre établissement? Merci. Fardous, pour cette question qui est très importante parce que la politique éducative s'inscrit dans le cadre où les élèves doivent lire parce que la lecture, d'une manière générale, comme le ministre l'a soulevé, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite parce qu'un enfant, quand plus il lit, plus l'enfant est au premier plan pour pouvoir réussir sa scolarité. Et c'est dans ce cadre
que s'inscrit la journée qui a eu lieu hier chez moi, au lycée Jama Youssef Mahmoud. Cette journée a été présidée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Mustapha Mohamed Mahmoud, en présence de tous les hauts cadres du ministère, en premier lieu les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les directeurs, les inspecteurs, donc, et sans oublier aussi les écrivains et les élèves, parce qu'il y a eu plusieurs ateliers qui ont eu lieu. Il y a eu en général 7 ateliers. Il y a eu la présence de certains élèves qui venaient de la préscolaire, de primaire, de collège, de lycée, des élèves à besoins spéciaux. Et tous ces élèves ont montré leur talent en lisant. Et c'était un moment où les élèves et les écrivains se sont retrouvés. Et c'était une grande journée. Cette journée a été une journée vraiment un exploit et riche en lecture. Et ces activités vont se dérouler tout au long de la semaine dans les différents établissements de la République. Et c'est un moment où il y aura, c'est une sorte de retrouvaille entre les écrivains et les élèves. Merci, monsieur, et je me tourne vers vous, madame Saada. Ma première question est que vous êtes issue d'une association. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre association? Merci pour l'invitation ici au plateau de la RTD. Donc, je suis enseignante au lycée d'État de Djibouti, comme je l'ai dit tout à l'heure, et présidente de l'Association des professeurs de français. Donc, cette association qui ne voit pas le jour aujourd'hui, mais qui existe depuis 2001. Donc, elle a été juste redynamisée depuis décembre dernier. Donc, notre rôle, notre travail, d'une manière générale, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est d'appuyer l'enseignement, apprentissage du français. Et donc, Nous sommes là pour épauler les enseignants de la langue française. Voilà, nous sommes là pour les accompagner, pour que l'apprentissage de cette langue soit encore plus forte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et cette question ouverte pour tout le monde et qui concerne tout d'abord les parents. Quelle est la place de la famille dans cette problématique que l'État essaye de régler, notamment en organisant des ateliers, des journées et des semaines pour inculquer le goût de la lecture aux enfants et notamment faire passer un message aux parents d'éduquer leurs enfants et de leur inculquer également le goût de la lecture. Pour répondre à cette question, Monsieur Chihim, vous voulez dire quelques mots? Oui, c'est une question. C'est pour ça d'ailleurs le choix du thème n'est pas anodin. Donc nous avons au ministère de l'Éducation nationale voulu impliquer les parents dans la lecture. D'ailleurs, depuis 2016, le ministère a mis en place un grand projet de lecture pour l'enseignement de base, c'est-à-dire pour l'école primaire, avec l'appui de partenaires comme l'USAID. Et il y a des associations djiboutiennes qui sont impliquées dans la promotion de la lecture. Donc c'est un travail que nous avons entamé il y a déjà un temps. Aujourd'hui, nous voulons directement que des familles se dotent d'un coin de lecture à la maison pour justement inciter les enfants à lire. Donc, quel type de lecture nous voulons que les parents... C'est lecture plaisir surtout. D'accord. Voilà, c'est surtout la lecture plaisir. C'est très important parce que l'enfant, il lit ce que lui, il souhaite lire. C'est surtout pour s'évader, pour découvrir le monde, surtout pour... aussi un peu oublié, si vous voulez, le quotidien, pour sortir un peu de l'ordinaire, c'est la lecture plaisir. Nous incitons les parents qui nous regardent à la télévision d'investir, même si bon, les moyens sont souvent peu limités, avec des fois des livres, comme on disait, peut-être numériques même, ou des petits livres vraiment qui ne sont pas chers, achetés pour les enfants, pour les inciter à lire. Et nous appelons, nous demandons à tous les parents qui nous regardent à la télévision d'encourager les enfants à lire à la maison. Ça, c'est vraiment
une initiative de notre ministre, vraiment. Et c'est vraiment une très belle initiative. Certains parents le font. Donc nous avons organisé dans le cadre justement de la francophonie des concours de dictées dans un certain nombre d'établissements. Donc il y a le lycée de Djibouti qui a participé, il y a le collège Fukuzawa, il y a l'école Excellence, il y a aussi les écoles privées comme Nativité ou le lycée français de Djibouti ont participé. Et vraiment on voit lors de ce concours que certains enfants lisent à la maison. C'est très important. Ce sont des enfants vraiment qui ont un excellent niveau en français. Donc d'ailleurs, le lycée de Djibouti est premier au concours de dictée. Le lycée Excellence est deuxième. Donc vous voyez que le niveau des établissements publics est très bon, très bon. Vraiment, cette année, ça, c'est grâce à la première édition de la fête de la lecture que le MENFOP a organisée. Donc ça commence à donner des résultats. C'est pourquoi nous invitons les familles, donc notamment, surtout les parents, surtout qui ont des enfants à l'école primaire, parce que la lecture commence très tôt. Donc dès la classe de première année, nous invitons les parents à guider doucement, en fonction de leur âge, vers des petits ouvrages, voilà, qui font rêver. Des livres fantastiques, des bandes dessinées, donc que les auteurs vraiment les comptent. Ça développe l'imaginaire de l'enfant. Et ça, c'est vraiment le rôle que nous voulons confier aux familles. Et je me tourne vers vous, monsieur Wabari, Sharmake Wabari, pour vous qui êtes au centre de l'éducation, dont notamment vous êtes proviseur du lycée, que vous remarquez que certains élèves, ceux dont les parents n'ont pas notamment incité à lire, ont-ils des difficultés dans l'apprentissage, notamment au lycée? Merci Fardous pour cette question. C'est vrai. Ça se voit dans chaque classe quand il y a, au niveau des enseignements-apprentissages, les enfants qui ont l'habitude à lire à la maison ou bien qui ont l'habitude souvent à faire de la lecture. Ça se voit au niveau des résultats des élèves, surtout au niveau des productions et au niveau des compréhensions. Parce que les enseignements-apprentissages se font en langue française. Et quand il s'agit... des enfants qui ont, parce que quand on fait des statistiques d'une manière générale, quand on voit que les familles actuellement, les familles dites familles éduquées, les parents éduqués, on voit le résultat de leurs enfants parce que ce sont des enfants, ce sont des parents qui donnent leurs enfants l'habitude de lire à la maison et même au-delà. Et les enseignants des Français ont eux aussi dans les établissements mis en place pas mal des activités pour pouvoir améliorer les résultats. Et là, depuis pas mal d'années, les résultats des enseignements d'apprentissage ont amélioré énormément, surtout au niveau des résultats. Et là, on voit réellement que la lecture, d'après la politique éducative, ne doit pas uniquement se situer dans les centres scolaires, elle doit même dépasser pour aller vers les familles. Et c'est ce que le ministre tient à cœur énormément, impliquer les familles pour élargir la lecture. Et parce que la lecture, comme je l'ai soulevé il y a pas mal de temps, c'est en quelque sorte la clé de la réussite de l'apprentissage, de l'enseignement-apprentissage. Merci. Et même question pour vous, comme l'a dit monsieur le proviseur, la lecture est, comme est-on dire, la clé de voûte de l'apprentissage. Vous rencontrez autant que professeur des difficultés pour certains élèves à s'adapter, notamment pas tous le même niveau en français. Ça pose un problème? Oui, effectivement, parce que chez l'élève qui lit beaucoup et qui a été initié très tôt à cette activité de lecture, cela se reflète dans son travail. Donc plus l'élève lit beaucoup à la maison, mieux il s'exprime oralement en classe, mais aussi à l'écrit. Donc c'est une l'activité d'écriture ne se limite pas en classe aussi, je le rappelle. C'est une activité qui doit être continuée à la maison. C'est-à-dire que nous, les enseignants en classe, par exemple, on leur donne des livres de lecture suivis,
ou bien des groupements de textes. Et donc, cela doit être fait à la maison. Donc, si les parents ne suivent pas ce travail, n'accompagnent pas et ne demandent pas à leurs enfants quels sont les exercices qui t'ont été donnés en classe de français, quels sont les livres qu'on t'a donnés et que tu dois lire, et qu'ils le demandent parce que tous les élèves n'aiment pas lire. Il y a certains qui mettent le livre dans le sac et le lendemain, ils reviennent avec le livre alors qu'ils ne l'ont pas ouvert. Donc, c'est aux parents d'aller derrière son enfant pour voir le travail. Pourquoi ne pas éduquer les parents? Pourquoi ne pas organiser des journées professeur-parent au lieu de professeur-élève pour dire aux parents que chaque parent doit suivre son enfant? C'est l'initiative même de la thématique qui a été retenue cette année pour lire en fait par le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Monsieur Mustapha Mohamed Mahmoud. Donc, si le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence Mustapha Mahmoud, a retenu le thème « Lire en famille », c'est pour réveiller les familles, pour les sensibiliser sur la valeur et l'importance de cette activité qui ne doit pas se limiter en classe, mais qui doit se poursuivre à la maison. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des ateliers parents-élèves pour comment les initier à lire ensemble? Parce que certains parents ne côtoient pas forcément leurs enfants. Ils sont peut-être plus ou moins distants envers eux. Et ils se limitent notamment au rôle parent-enfant, chacun dans son rôle. Pourquoi ne pas les inciter à rester en famille, lire ensemble, faire des sorties? Ça pourrait être un conseil pour certains parents. Le rôle d'un parent ne se limite pas à dire « je suis parent et tu dois obéir ». L'enfant grandit, on doit changer de position par rapport à nos enfants et notamment les respecter pour que le respect soit réciproque. Voilà. Donc moi, j'aurais commencé par déjà dire que les enfants, d'une manière générale, et bon, plus tard, les adolescents et les adultes que nous devenons, donc dès le plus bas âge, les parents doivent montrer l'exemple à leurs enfants. Parce que généralement, les enfants font ce que nous faisons, mais ne font pas ce que nous disons. D'où le fait de montrer aux enfants la lecture. Donc on prend un livre, et quand ils voient par exemple le parent qui lit un livre ou bien le parent qui lit un journal, donc déjà dès le plus jeune âge, il est... Des parents doivent être là et montrer l'exemple, comme l'a dit Madame Saada, ils doivent être la base, le pilier sur lequel un enfant doit s'appuyer pour son avenir et non pas une personne qui va... Vous allez recopier le schéma de vos parents. Exactement. Même votre subconscient retient ça et vous allez recopier la même chose de manière notamment inconsciente. Donc les dés s'en sont déjà jetés. Nous devons conjuguer nos efforts. Donc, l'école donne la base. Après, le parent essaie de poursuivre ce travail. Pour ne pas dire que nous sommes ce que la société, ce que les autres ont fait de nous. Vous pouvez prendre la parole. J'aimerais ajouter sur un point qui est vraiment très important, parce que le thème qui a été retenu cette année, l'objectif du thème... Lire en famille et de passer un message pour les familles. Voilà. Pour que les familles puissent prendre en charge, en fait, les responsabilités qui lui ont été confiées, c'est-à-dire encore faites une sorte d'accompagnement pour leurs enfants au niveau de la lecture. Parce que la lecture, comme on l'a dit, c'est la clé. Hein. Donc, c'est en quelque sorte un message transmis aux parents, lire en famille. C'est pour cela que le thème a été vraiment un thème bien choisi cette année et vraiment important. Merci d'avoir ajouté quelques mots. Et ma question, je me tourne vers vous parce que vous êtes plus ou moins silencieux. Qu'est-ce qu'un écrivain peut apporter, monsieur, à la politique d'amélioration des résultats des élèves du MELFOP? Alors, je vous remercie pour la question. En tant qu'écrivain, d'abord, on se sent honoré quand on nous parle de la lecture. Parce qu'il ne sert à rien, elle ne sert à rien d'écrire dans une société où presque personne ne lit. Donc quand le ministère a pris cette initiative l'année dernière, et ça se faisait il y a longtemps aussi, de mettre la lecture au centre, comme centre d'intérêt de tout un ministère, cela nous réconforte parce qu'on sait pour qui on va écrire. Parce que pour écrire, il faut être lu.
Donc là, par exemple, nous sommes dans des établissements scolaires où les enfants s'intéressent à nos parcours personnels. C'est-à-dire, pour devenir écrivain, que dois-je faire? C'est une bonne chose. Deuxièmement, pour revenir à la question de la famille, c'est la clé de voûte. Pour qu'il y ait la réussite d'un enfant, il faut qu'il y ait d'un côté les enseignants et de l'autre côté la famille biologique. Parce que les enseignants, ce sont aussi des parents. Parce que rien ne sert de lui donner un livre si à la maison, il n'est pas suivi. Du coup, nous demandons à ce qu'il y ait un partenariat entre parents, la famille, et l'école. Parce qu'à l'école, moi, je peux lui lire une histoire. Je peux lire à haute voix devant la classe et le faire lire. À la maison, nous leur demandons de faire presque la même chose. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, avec la nouvelle génération des parents, il y a beaucoup des opportunités. Beaucoup d'opportunités dans la mesure où au moins quelqu'un sait lire dans la famille. Prendre par exemple la peine de leur lire une histoire pendant une soirée dans la semaine, cela peut vraiment changer des choses. Donc c'est des petits gestes comme ceci qui donnent vraiment des résultats perceptibles et des résultats qui est entre autres la réussite de l'enfant. Lire en famille nous permet, nous, de savoir qu'au sein d'une famille, on lira nos textes. En plus, nous écrivons en tant qu'auteurs djiboutiens pour des enfants djiboutiens et des lecteurs djiboutiens. Donc je dirais que vraiment c'est un partenariat fiable parce que les parents veulent la réussite de leurs enfants. Nous aussi en tant qu'enseignants, nous voulons la même chose. Et en tant qu'écrivains, nous profitons de ce partenariat et nous en sommes fiers. Et en effet, lors de l'ouverture hier, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé officiellement la semaine de la fête de la lecture au lycée Jamaa Youssouf Mahmoud. Voici les images. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé dimanche la semaine de la fête de la lecture au lycée Jamaa Youssouf Mahmoud. Cette deuxième édition avait pour thématique « Lire en famille ». Ce choix répond au souci de généraliser la pratique quotidienne et la culture de la lecture à la maison au sein des familles. La semaine de la lecture est célébrée dans tous les établissements scolaires de la capitale, mais aussi ceux des régions de l'intérieur du pays par la mise en œuvre d'activités scolaires littéraires autour de la lecture. L'événement s'est déroulé en présence des représentants de l'USAID, du CREF, du FHI et des nombreux parents d'élèves ainsi que de l'association des professeurs de français. Cette fête de la lecture est destinée à promouvoir la lecture, mais aussi et surtout renforcer la qualité des enseignements-apprentissage par la mise en place d'activités riches, diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Alors nous sommes heureux vraiment en tant qu'auteurs nationaux, auteurs djiboutiens. Je pense que c'est la deuxième édition, la fête de la lecture. C'est une excellente initiative que le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement professionnel a pris et nous sommes heureux en tant qu'écrivain djiboutien d'y participer parce qu'effectivement il ne peut pas y avoir de livre sans lecteur, il ne peut pas y avoir de lecteur aussi sans livre, donc c'est très lié et le fait que Djibouti, le ministère organise ce genre d'initiative, ça nous permet en tant qu'auteur d'être à l'honneur et cette année la deuxième édition comporte aussi des écrivains étrangers, des écrivains francophones qui sont venus des écrivains internationaux, on va dire. Et c'est une excellente initiative, vraiment, que nous soutenons. En tant qu'auteur, il y a une dizaine d'auteurs nationaux. Et chaque année, je pense que ça nous permet à nous aussi de montrer nos livres, d'aller dans les classes, de montrer qu'on est capable aussi non seulement de recevoir, mais aussi de donner. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a pris la parole pour expliquer l'enjeu de cette semaine dédiée à la fête de la lecture et notamment basée sur le thème « Lire en famille ». Je voulais vraiment expliquer la raison pour laquelle nous organisons ce genre d'événement. Il s'agit bien sûr, depuis quelques années, nous assistons vraiment à améliorer la qualité des enseignements et apprentissages. Nous travaillons sur plusieurs leviers et pour vraiment accélérer l'amélioration de la qualité des enseignants et apprentissages. La lecture fait partie bien sûr des leviers sur lesquels nous voudrions travailler. Et nous travaillons dans nos bibliothèques, mais également les enseignants travaillent pour améliorer la qualité de la lecture de nos élèves parce que
S'il y a une amélioration à ce niveau-là, nous sommes convaincus que, bien sûr, après arrive la compréhension et arrive, bien sûr, après une meilleure expression écrite, bien sûr, après l'expression orale. Donc je voulais vraiment dire à tout le monde ici que, bien sûr, l'ensemble des membres du ministère et du personnel du ministère, au quotidien, font leurs efforts, que ce soit bien sûr les femmes et les hommes du terrain, mais également ceux qui sont au niveau du siège, font au quotidien vraiment un travail vraiment un travail assez dur, assez bien sûr continu, pour que nous puissions bien sûr améliorer la qualité de l'école djiboutienne. Donc encore une fois, merci, j'ai oublié aussi aux écrivains, parce que je les ai remerciés là-bas, les écrivains, et notamment, bien sûr, nous avons un écrivain aussi étranger, pas loin de chez nous, hein, du Comore, pour la participation à cet événement. Donc, je lance officiellement donc, la semaine de la lecture, Inch'Allah, et je dis bon courage à tous les acteurs de cette semaine, Inch'Allah. Avant de clore cette émission, nous allons donc demander à nos invités de dire chacun un message, faire passer un message aux parents dans le cadre de cette semaine dédiée à la lecture. Je me tourne vers vous, monsieur Chehem Mohamed. Qu'avez-vous à dire en langue locale aux parents qui vous écoutent? Oui, ça y est, beaucoup. إنما أوي بريتو وزارتها الدلا أيام الدقيت إنما ويسر أمتا بوك أنين التقرية أنا ماي تو تاما ويسر ما يسر له حسيه أتامك عندها تدحتمي تبريتو ملا قفتا مصطفى محمد محمود ويو ويسر أساكونا دلتني أرو أنين القراءة بريسا إيانمي السري تو أبته تنمي أوي إلاني نانكيل نيتا بهنا نيتا إذا لعيت أن تبوه كنما سني أم تبرلا إقريسا هنا بريتو كيني حيساي ويسرها ويسكول كم برسم بوكات هنا أوي نلو جيتين تحتن بوكات تكتبه تن جبوتي أجتنا لمرتكو هنا فه أجتنا لمرتكو كو وأسن يكتبينه بيم بوكاتا برال كين إقريساي ويسر أسن كادو إقريا كيني كدحاي أهمي كدم أمته تدعلت يكنم أعرق كسيني للسرقة إلا نانكلي ويسر بريتو وزارتا زيني كتا أي تلسيني كايتما أمت برال بوك تغريم فردين تاهي أنا ما وهو نانك حسيني مقدق يا حد. Merci, Monsieur Chehem Mohamed, d'avoir fait passer le message en langue afare. Et je rappelle que vous êtes inspecteur au MENFOP. Je passe à vous, Monsieur Mohamed Ahmed Issid, dit Aboyka. Qu'avez-vous à dire? Mon dernier mot sera de dire aux parents, à tous les parents djiboutiens, à toutes les familles djiboutiennes, de faire lire les enfants à la maison. Parce qu'un enfant qui lit est un adulte qui pense, mais aussi un enfant qui lit est un enfant qui réussit. Salam alaikum. Merci beaucoup. Et monsieur Termake Wabri, qu'avez-vous à dire en langue locale? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En waxaan oran lahaa in sidi oo shalay tolo waxa ka dhacday xaflad weyn ba ka dhacday in liseega jaamac Yusuf Mahmud xafladaas uu horkacay wasiirkeenu in son excellence Mustafa Mohamed Mahmud. إن هدف كوجو إنه وحها إن سنة كان إن تم كل قاتل وحها لغن فمي استدير إن مه هو حويا أخبر إن أخرجته إن إنه كوكبنان إسكولة أي إلا جادو جريعة لأنه إن مه هو حويا وهذا وح أخريو أخرجته ومفتاحي إن مه وأخبر شد ميلر كجاري لأنه وحويا إن مه هو أخرياي وإن مه وأخبر شد يسوع أي عندنا عقول بكر ده اللي ترنا نسيا كده سنا نسوا ساسي دراديد والديده وحلقو لغلا تلنيا وبتكوجا إن أي كودير رجليان جوري جمر كوجو إنه وحخريو لأنه وحويد السلام النهاي السلام المدن وح الشجع سا إن أي دجو رسول سول تكتي وحيد اقرأ والقول رسولك يعني وآخر آخر استنو ومهمة النرش شوية مركا والديده إنه كقب جلان
on a lagu deen ilmuhu inuu iskoolka wax ku akhriyo ee dabeecad looga dhigo inuu gurigana wax ku akhriyo laana ilmuhu wax akhriyay wax bar noloshiisu waxa noqonaysa nolol dhisme noqonaysa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je me tourne vers vous, Madame Saada, en tant que professeure, qu'avez-vous à dire aux parents qui nous regardent? Donc, en tant qu'enseignante, je dis aux parents djiboutiens en l'occurrence, d'encourager et d'accompagner cette activité de lecture qui peut être pratiquée en solo, c'est-à-dire pas par l'enfant tout seul, mais aussi en famille, comme le thème retenu l'a déjà souligné. Donc, lire en famille. Donc, la famille peut partager ce moment de lecture, des moments de lecture pour en faire un véritable plaisir au sein de la famille. Par exemple, un père qui raconte un conte à ses enfants, une maman qui lit un passage à ses enfants, mais ça encourage les enfants à poursuivre la lecture et à la pratiquer aussi souvent que possible. Et nous, les enseignants, cela nous facilitera beaucoup notre travail d'enseignement de la langue parce que les parents s'impliquant de la sorte, le travail en classe sera beaucoup plus simple parce que l'élève aura plus de bagages, il aura une fluidité d'expression, d'extériorisation de ses idées, parce que pendant les productions écrites, l'enfant qui lira beaucoup à la maison, généralement, aura une facilité d'écriture, de trouver les mots pour les situations. Donc c'est ça. Donc c'est surtout, moi je dirais, hein, c'est un travail de famille. C'est l'affaire de la famille, la lecture, avant même d'être l'affaire de l'école. Donc la famille doit se réveiller pour pratiquer ces activités-là, d'ailleurs comme ils le font avec le CAT. Le CAT, il broute parmi leurs enfants. Pourquoi ne pas partager aussi la lecture avec ses enfants? Voilà, ça aurait été une très belle éducation. Parce que le CAT, c'est un handicap, on le sait tous. Mais la lecture, voilà, on rentabilise dans le temps. Et donc, j'exhorte à tous les parents djiboutiens de pratiquer aussi souvent que possible cette activité de la lecture, s'il vous plaît. Merci alors à tous de votre contribution. Et en arabe, je voudrais ajouter « Qra wal ilm nour » et c'est sur ce point que cette émission est dédiée à la lecture en famille prend fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a réalisé cette émission.